Si Mohamed Lardoff, parlez-nous un peu de l'industrie cinématographique à Ouzazet et aussi nous voulons savoir un peu plus sur ce musée du cinéma que vous présidez. Pour l'industrie cinématographique à Ouzazet, on est dans le milieu d'Afrique. Ouzazet dispose d'atouts sur le plan cinématographique très important. On a, dans un premier temps, il dépend de la région, de la Tafilet qui dispose des potentialités touristiques cinématographiques énormes. On a la sécurité du royaume, dans un premier, parmi les critères privilégiés. On a des sites de tournage très importants qui attirent pas mal de producteurs. On a le volet luminosité. On a aussi une main-d'œuvre qualifiée, abondante. On a aussi le volet formation. On a des instituts spécialisés qui forment des techniciens dans plusieurs domaines, tels que la décoration, tout ce qui est habillage. Ils sont très bien rodés auprès des grandes productions internationales. On a aussi une faculté polydisciplinaire qui forme des cadres aussi de Bac plus 3, des licences, que ce soit dans le son ou dans la production. Et aussi, ils contribuent sur pas mal d'événementiels. Oui, nous voudrons savoir aussi quelle est la place de Ouzazet en Afrique en matière de cinéma. Ouzazet, il est connu en tant que site, c'est Hollywood d'Afrique. Il est mieux ciblé par les grandes productions internationales de toute nationalité, telles que américains, britanniques, allemands, chinoises et toute autre production, évidemment marocaine. Bon, il y a aussi la fluidité de procédures administratives. Et il y a les sites de tournage importants et on a aussi des studios. Ouzazet dispose de 5 studios et parmi ces studios, on se trouve actuellement au musée de cinéma qui est situé au centre de la ville, qui joue 3 rôles sur une superficie de 2 hectares. Il est musée, studio. Et en même temps, espace des activités culturelles et artistiques. Quels sont les principaux concurrents du Maroc dans ce domaine, en Afrique? En Afrique, généralement, l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Égypte. Est-ce qu'il va développer cette place et la rendre un peu plus forte? De toute façon, nous, en tant qu'association, on travaille en concertation avec Ouzazet Film Commission, avec les autorités provinciales, avec les élus, pour que Ouzazet soit la première destination auprès des producteurs internationaux et nationaux. D'accord. Parlez-nous un peu de ce musée maintenant que vous dirigez. De toute façon, ce musée il est situé sur une superficie de 2 hectares. Il est créé en 1981 par des producteurs italiens en aidant du CCM. Et actuellement, il y a pas mal de films qui ont été tournés à Ouzazet, tels que Gladiator, Babel, Nativity et d'autres. Et plus d'autres productions marocaines. La dernière série marocaine qui a été tournée ici, c'est Hdiden Al-Faraïna. Maintenant, on voudrait. Est-ce que il semble que ce musée a besoin d'être modernisé? De toute façon, l'association travaille en étroite collaboration avec les autorités provinciales dans le cadre de mettre en valeur ce bijou et de le rendre un musée à l'échelle internationale. Et on espère bien, de la part de tous les intervenants, de nous assister pour qu'on puisse atteindre cet objectif.